Eh bien, salut tout le monde, c'est Jamie6580, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Tomb Raider Légende. On est sur PC, donc on est dans la première mission du jeu, c'est donc le premier chapitre du jeu, donc voilà. Alors dans cette vidéo, j'ai vraiment un tas de choses à vous dire. En premier, désolé franchement de l'inactivité des vidéos, mais c'est tout simplement parce que avec là c'est les vacances, mais voilà, je peux pas faire beaucoup de vidéos, enfin si je peux en faire, mais je sais pas sur vraiment quel jeu spécifique et tout ça, mais voilà, donc pour ça je suis désolé. Et là, ça sera encore moins actif niveau vidéo, parce que bon, les vacances sont bientôt terminées, donc du coup, on va reprendre les cours, les horaires et tout. Je pourrais peut-être faire des vidéos que le mercredi après-midi ou le vendredi après-midi, donc voilà. Mais sinon, je ne pourrais pas faire de vidéos en semaine, donc les vidéos, ça sera mercredi après-midi, ou le vendredi après-midi, ou le week-end, donc ça dépend, mais je pense, de toute façon je vous tiendrai au courant sur YouTube, sur Twitter si vous voulez, ou Facebook, donc pour ça, vraiment je vous invite à me suivre sur Twitter ou sur Facebook, je vous mettrai tout ça dans la description. Ajoutez-moi sur Steam, les joueurs PC, ajoutez-moi sur Steam. Enfin, si j'ai des abonnés sur PC, je vous invite vraiment à me rejoindre sur Steam. Je suis beaucoup actif sur Steam, donc du coup, vous pouvez me parler, etc. Donc voilà. Après, je tiens à faire aussi un gros big up à E7 Amazic, qui est un YouTuber donc qui joue sur PC, qui est dans la team E7 Community. Et voilà, donc je l'ai sur Steam. On se parle beaucoup et voilà, c'est vraiment un type super. Je vous invite à le suivre sur sa chaîne YouTube, à le suivre sur Twitter, etc. Pour ça, il y a vraiment pas de problème. Donc voilà. Alors, donc pourquoi la vidéo est sur Tomb Raider Légende? Donc tout simplement, dans ma vidéo sur Nocturne Code 4, je vous avais dit que ma chaîne, ça ne serait pas que du Call of Duty. Moi, en fait, je préfère faire une vidéo de Call of Duty et après diversifier, genre aller sur faire des vidéos sur d'autres jeux que Call of. Parce que Call of, au bout d'un moment, il y en a ras la tête, j'ai envie de vous dire. Et puis là ça commence à me gaver grave, parce qu'en fait je vous explique, au début je voulais faire cette seconde vidéo mais sur Call of Duty 4 encore sur PC, mais à chaque fois que j'allais dans les serveurs et que je commençais un record, à chaque fois je tombais que contre des tubes, contre des noobs, enfin voilà quoi, je faisais des scores de merde ou des trucs comme ça, donc du coup ça m'a gavé et j'ai arrêté de... enfin, j'ai préféré faire la vidéo sur Tomb Raider Légende, malgré que j'ai bien beaucoup d'autres jeux sur PC. J'avais envie de me faire un petit Tomb Raider Légende, ça faisait longtemps, surtout que le jeu, franchement, c'est l'un des mes meilleurs jeux PC que je possède, parce qu'il y a aussi... Enfin, je veux dire, moi, Tomb Raider Légende, je l'ai acheté 5€. Pareil Anniversary, pareil Underworld. Donc, en fait, les trois, si vous voulez, je les ai eu pour 15€, ce qui est raisonnable. Et ce week-end, donc, j'étais allé sur Steam et j'ai vu les jeux qui étaient, Tomb Raider Legend, Anniversary, Underworld. Les trois, je veux dire, par exemple, Tomb Raider Legend, il coûtait 5€ sur Steam, d'accord. Anniversary, il coûtait 3€ et des bricoles. Et Underworld, pareil, il coûtait 3€ et des bricoles. Mais vu que je les avais déjà, voilà quoi. Mais voilà, enfin, moi je vous dis, ceux qui sont sortis, mais parce que je crois qu'il y a encore cette offre, profitez-en, achetez les trois, parce que franchement, vous n'allez pas être déçus, excusez-moi. Et donc voilà, c'était pas ça le sujet, mais voilà.
je fais une petite annonce. Donc vraiment j'ai beaucoup de jeux sur PC, donc si vous voulez, dans une prochaine vidéo, je pense IRL, je vous les présenterai tous et vous me direz sur quel jeu vous voudrez me voir faire une vidéo. Donc par exemple, je sais pas, moi GTA, puisque j'ai GTA 3, Vice City, San Andreas. Après bon, j'ai les Tomb Raider. Après j'ai Driver 3, Midnight Club 2, Need for Speed Underground 2, Saro 2, Hitman Blood Money, Rayman Collection, donc il y a plusieurs Rayman. Et après j'ai Bully Scholarship Edition, Call of Duty 1, 2 et 4. Alors après donc là je vous ai dit, mais je vous ferai une vidéo IRL et je vous les montrerai et vous me direz sur quel jeu vous voudriez me voir pour la prochaine vidéo. Voilà. Concernant Black Ops 2, est-ce que je vais l'acheter? Oui, je l'achète. Black Ops 2 sur PS3. Je pense, enfin au début, je vais l'acheter sur PS3, voir un peu ce qu'il donne. Parce que si je l'achète sur PC et après comment? Si je l'aime pas, je vais pas y jouer, voilà. Enfin bref, vous allez me dire ouais c'est con, mais pourquoi tu fais ça sur pourquoi tu achètes sur PS3 alors? Mais c'est pour voir, parce qu'en plus j'ai beaucoup de potes sur PS3, tandis que sur PC bon. Je connais des gens, mais voilà, c'est pas des potes avec qui je pourrais passer on va dire des heures avec. Enfin bon voilà, donc Black Ops 2 j'achète. Je pense les futurs jeux à venir, donc Black Ops 2, Assassin's Creed 3, et puis après GTA 5, vraiment GTA 5 en printemps 2013. Et donc voilà, tout simplement. On va bientôt arriver à la fin du gameplay. J'ai pas fait le niveau entier parce que franchement ça aurait pris énormément de temps. Donc voilà, je me suis arrêté on va dire presque à la fin. Enfin ouais, il restait un petit bout de chemin et puis j'étais bientôt à la fin. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez un j'aime, abonnez-vous, faites partager. Moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Bye tout le monde, ciao.